Bienvenue, c'est le dernier entraînement du programme HIIT Body Blast et c'est le méga HIIT. Donc aujourd'hui, on va pas avoir 4 exercices, mais on va en avoir 7 et on va faire 5 fois le tour. Donc attachez votre sucre avec la broche parce qu'on va avoir chaud. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer chacun des exercices. Il y en a plusieurs qu'on connaît déjà, mais voici. Le premier exercice, c'est le jumping jack ou le side-to-side si vous voulez éviter de sauter. Le deuxième exercice, ce sont les squats. Toujours le poids bien ancré dans les talons. On descend les fesses et on remonte. C'est comme si on voulait aller toucher une chaise en arrière de nous. Donc, les squats. Ensuite de ça, on va aller au sol, on va aller faire des push-ups. Vous les faites sur les genoux, sur les pieds, comme vous voulez. Et si c'est trop intense, vous pouvez même les faire comme ceci au mur. OK? Ensuite de ça, on va prendre notre corde et on va aller faire de la corde à sauter à pieds joints ou alternés. C'est comme vous voulez. Ensuite, on va avoir les fentes latérales. On va avoir besoin de nos disques comme ceci, les pieds dessus. Côté, côté, on alterne toujours pendant 20 secondes. Les fentes, ensuite de ça, pardon, ça va être le saut patin. OK? Vous pouvez le faire comme ceci, mais plus intense, vous sautez dedans ici, c'est le patin celui-là, OK? Comme le patin de vitesse. Ensuite de ça, on va aller au sol et on va aller faire les mountain climb, vous savez. On met les pieds sur les disques, comme ceci, hop, et on tire les disques en gardant le bassin bien basculé. Alors, est-ce qu'on est prête? Est-ce qu'on part ça? Je mets la musique, puis on part. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'eau, vous allez en avoir de besoin. Alors, on commence à marcher sur place. Hop, on lève les genoux. Hop, 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 hop. On lève les genoux bien haut. Et on va faire un double. Deux coups à droite, deux coups à gauche. Hop, hop, hop. 4, 3, 2, 1. Hop, 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 2. Hop, hop, on respire, on respire. Hop, hop. Let's go. Yes. Et on va déplacer. Hop, hop. Hop. Yes. 4, 3, 2, 1. Marche. Hop, hop. Maintenant, on va alterner ici. Hop, c'est parti, on y va. Hop, hop. Pousse, vous pouvez le faire avec ou sans saut. Je vous le dis tout de suite, dans l'entraînement, tantôt, on va avoir des jumping jacks. Oh oui, ça va être assez intense. Woo! Hop, hop. Let's go. 4, 3, 2, 1. On jog sur place. Hop, hop, on lève les genoux. Wouh! Plus vite, plus vite. Hop, hop, let's go. Wouh! Et talons fesses. Respire, respire. Genoux haut. Hop, 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 talons fesses. Genoux haut. Hop, 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 talons fesses. Yeah! Et on va enchaîner avec des step touch. 4, 3, 2, 1, et step touch. Pousse en avant. Pousse. On va aller chauffer les cuisses, les épaules, les bras. Pousse en haut. Respire, respire. Yeah! Hop, hop. Yeah! Good job! Yeah! OK. Donc, on part ça. Je vais mettre la minuterie. Bougez pas. OK, on passe ça dans 15 secondes. On commence avec les jumping jacks. Youhou! Hop, hop! Ça va être 20 secondes à chaque fois, 10 secondes de pause. C'est parti! Hop! Comme ceci. Hop! Ou le side to side, c'est comme vous voulez. Jumping jack, plus vous le faites rapidement, plus vous en faites en 20 secondes, plus c'est intense. Hop, hop! Le prochain exercice, ça va être les squats. Let's go! Hop! Hop!
Yes! Le squat, le poids sur les talons. N'oublie pas, on lève les orteils dans nos souliers. On va porter les fesses loin en arrière. C'est parti. Donc, serre les fesses en haut. Squeeze. Hop! Hop! Pour ceux qui veulent plus d'intensité, vous pouvez même faire un jump squat si vous voulez. Hop! Respire. Let's go! Prochain exercice, c'est les push-ups. On s'en va au sol, sur les genoux, sur les pieds ou même sur le mur si vous voulez. On en a pour 20 secondes. Respire, respire. Down, up, down. Expire en montant. Vous faites votre maximum. Hop! Wouh! Hop! Expire. Yes! Hop! Yes! Good job! On se relève, on prend la corde à sauter. Wouh! C'est parti! Hop! À deux pieds, c'est plus difficile. Si on alterne, comme si on joguait, c'est plus facile. Vous pouvez le faire avec les talons devant, si vous voulez. Ou alterner les trois. Hop, hop, hop! Let's go! On lâche pas! Yes, good job! OK, prochain exercice, c'est les fentes latérales. Si vous n'avez pas de disque, vous pouvez faire les fentes comme ceci. Sinon, vous le faites avec les disques. Et down, down. On squeeze l'intérieur de la cuisse quand on remonte. Et squeeze. Pousse dans le plancher, pousse dans le plancher. Et hop! Ouh. Le prochain, c'est le patin. Good job! La gorge de dos va être bonne, hein? OK, c'est juste le premier tour. On a 5 à faire. Donc, ici, c'est parti. Avec ou sans saut, on en fait un maximum. Plus vous allez rapidement, plus c'est cardio, plus on brûle les calories. Let's go, let's go! Hop! Hop! Respire. Yes! On lâche pas, on lâche pas. Le dernier, c'est le mountain climb. Avec ou sans les disques, c'est comme vous voulez. Position. Bascule le bassin, contracte les abdominaux. Hop, hop, hop. Let's go. Hop, hop, hop. Respire, respire. Hop, hop. Contracte les abdominaux. Oui, c'est difficile. On lâche pas. Hop, hop, hop. Yes! Un tour de fête sur 5. Et là, c'est le temps de prendre la gorgée d'eau. On a juste 45 secondes de pause. Yes! Est-ce que ça va bien? Ouh, comment vous sentez-vous? C'est plus intense, hein? 7 exercices au lieu de 4. Celui-là, vous allez le retenir. Vous reviendrez le faire de temps en temps. Ouh! Il reste 15 secondes. J'ai de la misère avec mes souliers. Mes souliers glissent sur les disques. Ah. Hop! Yes! C'est parti! Jumping jack! Hop! Vous le savez, vous pouvez faire side to side. Comme ça, des side to side. Sautez aussi si vous voulez. C'est moins intense que des jumping jacks. Ou vous y allez carrément avec les jumping jacks. Et vous en faites un maximum en 20 secondes. Let's go, let's go! Hop, hop! Yes! Les squats, le poids sur les talons, on n'oublie pas. On relève les orteils dans nos souliers. On va porter les fesses loin, loin en arrière. Down! Squeeze les fesses. Les genoux restent alignés avec les orteils. Ouh! Expire! Et hop! Wouhou! Pousse! Hop! Let's go! Yes! Push! Good job! Les push-ups, on s'en va au sol. On prend une bonne position. Contracte les abdominaux, serre les fesses. C'est parti! Hop! Expire! Wouh! Et hop! Pousse, pousse, pousse! Expire en montant. Let's go! Yeah. Hop!
c'est presque fini. Ouh, yes! On se relève. On prend la corde. Hein? Assis, debout, couché. OK. C'est parti. Hop. Alternez. Talons devant. Let's go. Pieds joints. Ouh! Alternez. Talons devant. Yes! Good job! Ouh! Hey! Est-ce que vous vous sentez plus en forme que le jour 1? J'ai hâte de savoir. Les fentes. Hop! J'ose espérer que vous sentez un peu plus en forme. C'est parti. Down. Vous me laisserez ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Hop! Expire en montant. Sors, pousse dans le plancher. Sors l'intérieur de la cuisse. Let's go. Wouh! Down, up, down, up. Yes! On s'en va dans les patins. Hein? On se prépare sur un côté comme ça ici. Et on va aller faire du patinage de vitesse. On est un champion et une championne olympique. Let's go. Pousse, pousse, pousse. Hop, hop. Yeah! On est capable, on est capable. Let's go, let's go. Pousse, pousse. Wouh! Yay! OK, le mountain climb. On s'en va au sol avec ou sans les disques. Bascule le bassin. Pousse dans les épaules. Contracte les abdominaux. Hop, hop. Et là, vous pouvez, si vous ne voulez pas le faire rapidement, seulement faire un touch comme ça. Ou sinon, on y va. All in. Respire. C'est le plus difficile. Let's go, let's go. Woohoo! Hop, hop, hop. Ouais! Deux tours de fête. On n'a pas la moitié, mais ça s'en vient. 45 secondes de pause. On prend son souffle. Woohoo! Encore 30 secondes. On respire. On n'arrête pas de bouger. On fait redescendre un petit peu notre rythme cardiaque. Oh, ma montre a de la difficulté à prendre mon rythme. Et on va reprendre les jumping jacks dans 10 secondes. On se prépare. 5, 4, 3, 1. C'est parti. Hop, c'est le troisième tour. Let's go, on est capable. Hop, hop, pousse. Pousse, pousse. Yes! Ouh! Qui fait les jacks? Qui fait les side to side? Ouh! Hop, hop, hop. Ouh! Position squat. Poids sur les talons. Les genoux restent bien en ligne avec les orteils. On va porter les fesses loin, loin en arrière. Let's go. Down. On expire en montant. On expire toujours par la bouche. On inspire par le nez quand on descend. Let's go. Serre les fesses en montant. Bascule le bassin ici. Bascule. Serre les fesses. Squeeze. Let's go. 4 secondes. On s'en va dans nos push-ups. Oh non, pas encore des push-ups. Position. Bascule le bassin posant tes épaules. Contracte les abdominaux. C'est parti. Hop, on fait son maximum. Et hop. Expire en montant. Expire par la bouche. Hop! Hop! Pousse! Yes! OK! La corde! Ça va vite, hein? Ouh, qu'on n'a pas le temps de niaiser! Wouhou! Hop! Pieds ensemble! Alternez! On lève les genoux, on lève les genoux, on lève les genoux. Let's go, let's go, let's go. Talons devant. Aïe, aïe, aïe. Wouhou! Hop, 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 hop. Pieds ensemble. Wouh! Ah! Good job! On prend nos disques, on va aller faire les fentes. Ah! Let's go. Down. Down. Et là, si vous voulez, vous pouvez aller pousser un petit peu en arrière. Ça va travailler encore plus votre fessier.
Au lieu d'être carrément sur le côté, allez de biais en arrière comme ça en 45 degrés. Ça va changer l'angle de travail. Ouh! Good! Le patin, on se prépare. C'est la course. C'est parti! Hop! 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 N'oubliez pas, vous pouvez le faire sans saut ici comme ça. Ou pousser, explose. Hop! 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 Respire bien. Hop! Hop! Good job! Ouh! Et on s'en va dans le mountain climb. Hop! Bascule le bassin. Contracte les abdominaux. C'est parti! Hop! 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 Si c'est trop, vous pouvez prendre une pause ou faire des touches, mais laissez pas tomber. Reprenez aussitôt que vous avez repris votre souffle. Let's go! Hop! 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 Et que c'est pas facile! Hein? OK! Petite gorgée d'eau. Notre petite pause de 45 secondes, bien méritée. Youhou! Aïe, aïe, aïe! On respire. Shake, shake, shake. On continue à bouger. Et on va prendre... On va s'en aller dans notre quatrième tour. Ah, il en reste juste deux! Aïe, on est capable! On est bon! On a plus que la moitié de fait. Cardiaque. On va-tu faire une crise de cœur ici, là? Non. C'est parti. Hop! 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 Respire, respire! Hop! 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 Let's go! Pousse! 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 Hop! 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 Yeah! Oh boy! Ouh! Les squats! Pas sur les talons! C'est parti! Donc, hop! Serre les fesses en montant. Pousse les fesses loin, loin en arrière. Soulève les pieds dans tes, souliers. Soulève tes orteils dans tes souliers. Ouh! Serre les fesses en montant. C'est comme si le plafond, il est long et il t'empêche de remonter. Serre les fesses fort, fort. On va s'en aller au sol pour les push-ups. OK. Position. Respire. Contracte les abdominaux. Relâche pas. Let's go. Hein? C'est ça, les entraînements militaires. Hop. Hop. We are a machine. Woohoo! Hop. Hop. Push. Aïe, aïe, aïe. Ouh. OK, debout. Saut à la corde. Ouh, je sens des raquages en vue, moi. Hop, hop. Les deux pieds ensemble. Alternez. Talons devant. Pieds ensemble. Alternez, genoux haut. Let's go, let's go, let's go. Pousse, 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 pousse la machine. Ouh! Yes! OK. Les fentes latérales. Donc ici, comme je l'ai expliqué tantôt, vous pouvez aller de biais en arrière. Ça va isoler encore plus votre fesse. Down. Hop. Et expire en montant. Ah, il va rester juste un tour, hein? Ça va bien, ça va bien. Hop. Expire. Ouh. Et hop. Hop. Maintenant, on s'en va faire le patin. Qui va gagner la course? C'est parti. Hop. 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 Yes. Let's go, let's go. Hop, hop, pousse, explose, explose. Hop, il va rester les mountain climb. Aïe, 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 aïe. Hop, on s'en va au sol. Position, mountain climb, avec ou sans les disques. Pose dans tes épaules. Hop, hop, hop. 20 secondes, let's go, on est capable. Wouhou! Hop, hop,
pousse, pousse. Si t'es capable d'aller plus vite, tu vas plus vite. Wouhou! Pose dans tes épaules, puis oublie pas de respirer. Hop, hop, hop. Ah! Ah! Aïe, 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 il reste un tour. On est capable. Hey, le dernier tour, c'est le plus payant. Ah, c'est lui qui vaut vraiment la peine. C'est là qu'on va savoir qui sont les vrais. Ça, les farces. Il faut se surpasser. Donc, à chaque 20 secondes, vous faites votre maximum. OK? Vous faites votre maximum, ça veut dire que si vous faites juste 10 jumping jacks, c'est votre maximum, c'est correct. Les push-ups, c'est la même chose. On se prépare, ça s'en vient dans 5 secondes. Ouh! C'est vrai, là, c'est le dernier. Hop! Let's go! Pousse, pousse, pousse. Il n'y a pas d'âge pour être en forme, guys. Guys and girls! Hop, hop! Pas d'âge! Quand on veut, on peut. Aïe, aïe, aïe! Mon père me l'a toujours dit. Hop! Où est-ce qu'il y a du vouloir, il y a du pouvoir. Le poids sur les talons. On relève les orteils. On s'en va dans notre squat. Et hop! Squeeze! Pousse! Et expire! Ouh! Hop! Let's go! Pousse! Hop, hop, hop! On est capable, on est capable. On s'en va dans nos push-ups. Yes! C'est le dernier tour, n'oubliez pas! C'est le plus payant! Ouh. Position. Contracte les abdominaux, c'est parti! Pousse, un, deux, on peut les compter. Ouh, trois! Hop! Vous faites votre maximum! Aïe, aïe, aïe! Pas facile, pas facile. Yes! OK, debout. Sois à la corde. Hey, les étirements, ça va faire du bien. Hein? OK, oui. Let's go. Pieds ensemble. Alternez. Hop, 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 hop. Talon devant. Hey, pieds ensemble. Alternez genoux. Let's go. On finit ça en beauté. Woohoo! Hop, hop, hop. Yes. Ah, on va faire les fentes. De côté ou vers l'arrière. Moi, j'aime beaucoup vers l'arrière, un peu en biais comme ça, parce que je sens mon fessier travailler un peu plus. Quand la jambe qui est en avant, c'est le quadriceps qui travaille. Et en allant comme ça de biais, on le sent vraiment dans notre fessier en arrière. Et respire bien. Hop! Yes! Good job! Patin! C'est les deux derniers exercices. On est capable. Un. C'est parti. Hop! Explose! Explose! Hop! Pousse fort! Hop! Respire! Donne tout ce qui te reste. Embarque le turbo. Yes! On est capable! Pas capable, bien mort. Hop, hop, hop. Good job. Les mountain climb. Bascule le bassin. Oh, que ça sera pas facile. Hop. Yes. Hop, hop, hop. 20 secondes. Il reste juste 20 secondes. Il en reste même plus 20. Il doit rester juste 10. Let's go, on est capable. Hop, hop, hop. Hey, ma montre n'est même pas capable de catcher mon rythme cardiaque. Ça doit aller trop vite. Yes! Good job! On va aller s'étirer. On prend une bonne largeur au niveau des pieds. On prend l'inspiration sur un côté. Penche sur le côté ici. Hop, reviens. L'autre côté, hop. Inspire. Expire. L'autre côté. Inspire.
expire. Hop, inspire. Expire. Les deux mains ensemble, les deux bras ensemble. Hop. Essaie de toucher le plafond. Expire. Inspire. Hop. On met les mains au-dessus des genoux. Et là, on va aller faire dos plat, dos rond, on sort le coccyx, sort la poitrine. Dos plat, bascule le bassin, rentre le menton. Dos rond. Descends, dos plat. Remonte, dos rond. Encore deux fois. Dos plat. Dos rond. Une dernière fois. Dos plat. Dos rond. Inspire. On prend les mains ensemble. Pousse vers l'avant. Plie les genoux. Bascule le bassin en avant. On va aller rentrer notre nombril comme si on voulait l'appuyer sur notre colonne vertébrale. On met beaucoup, beaucoup d'espace entre les omoplates. On prend une grande inspiration. À l'expiration, on pousse en avant comme s'il y avait une résistance. Rentre le menton, laisse la tête aller vers l'avant. Encore une fois, inspire. Expire, pousse. On relâche. On prend les mains derrière, croise les doigts, recule les épaules au maximum, sort la poitrine en avant. On prend une grande inspiration. Expire, recule les épaules au maximum. Loin, loin, loin en arrière. On étire le devant des épaules et les pectoraux. On inspire. Recule un peu plus loin. Ouais, ça fait du bien. On relâche doucement. Rotation vers l'arrière. On prend un bras, on l'amène au-dessus. On met la main en arrière de l'épaule. On tire doucement sur le coude. Il faut que ça reste confortable. Prends une grande inspiration. Expire. Essaie d'aller un peu plus loin tout en gardant l'étirement confortable. Prends une grande inspiration encore une fois. Expire. On relâche doucement. Rotation vers l'arrière. On fait la même chose de l'autre côté. Dépose la main sur l'omoplate ou derrière l'épaule. Prends une grande inspiration. Expire. Inspire. Expire. On relâche. Rotation. On va prendre un appui sur une chaise, sur un mur. On va aller tirer nos quadriceps. On prend la cheville, colle les cuisses ensemble, bascule le bassin en avant, vraiment au maximum. On serre la fesse en arrière. Prends une grande inspiration. Expire, pousse le bassin en avant au maximum. Il faut vraiment sentir que ça tire en avant au niveau de l'herne et tout le long dans le quadriceps. Encore une fois, inspire, expire. On relâche doucement. Shake, shake, shake. On va aller de l'autre côté. Hop. Prends la cheville. Bascule le bassin. Prends une grande inspiration. Expire, pousse le bassin en avant au maximum. Encore une fois. Et expire. On relâche, shake, shake, shake. On prend un bon espace entre les jambes. Monte les mains au-dessus de la tête et là, on va descendre doucement en poussant le coccyx au plafond. Et quand vous sentez que ça tire trop en arrière des cuisses ou dans le bas du dos, mettez vos mains sur vos jambes comme ça ici. Gardez le dos droit. On inspire, expire, laisse aller en avant, laisse aller la tête. Si vous avez suffisamment de souplesse, vous pouvez mettre les mains au sol. On inspire. Expire. Laisse aller la tête. On plie les genoux. Les mains au-dessus des genoux. On déroule vertèbre par vertèbre. On prend une grande inspiration. Expire. Encore une fois. Hop. Les mains ensemble. Merci beaucoup. Bravo. Bravo d'avoir passé au travers cet entraînement qui était quand même pas facile.
Je vais juste fermer ici. Et je tiens à vous dire un grand merci d'avoir passé ce 14 jours avec moi, d'avoir fait tous les entraînements. C'est vraiment spécial parce que en 14 jours, je suis convaincue que vous avez vu une progression dans votre forme physique. Et là, le temps des fêtes est là. On est en plein dans le temps des fêtes. Et vous savez qu'en janvier, il y a beaucoup de gens qui prennent des résolutions. Eh bien, j'espère que ce petit 14 jours va vous aider à prendre une décision pour 2024 et pas simplement une résolution. Parce que les résolutions, souvent, on ne les tient pas. Moi, je dis plutôt qu'il faut prendre des décisions en début d'année. Et j'espère que je vous ai donné le goût de commencer à vous entraîner, à mieux manger. Et si j'ai réussi ça, mon objectif est atteint. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et revenez souvent faire les entraînements. Vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez. Bye bye! En janvier!